Yo tout le monde, bande de sacs remplis de bites. Est-ce que tu sais ce que c'est la ronronthérapie? Non? Bah moi non plus. Eh bien justement, regardons ce que c'est tout de suite. Oh putain, tellement de puissance dans ce regard. Sérieux, le chat te fixe tout le long de la vidéo. T'imagines si c'était un tueur? Non. Oh bordel! Non mais tu peux pas me faire ça! Oh non mais tu m'as niqué la vanne sur la peinture rouge! Oui bon, il fixe du regard tout le long de la vidéo mais faut pas déconner. Il a un script à suivre. Le script, fixer du regard. Et là le bruit là, c'est un bruit de réacteur de Boeing 777. Oui John, on est bientôt arrivé à destination, il faut maintenant la piste d'atterrissage. Tellement trop de mystère non élucidé dans la vidéo que je vais devenir fou. Passons tout de suite à la deuxième vidéo. Une vidéo qui s'appelle GR58. Wow, c'est le nouveau modèle d'avion pourri ou quoi? Mise en ligne le 2 septembre 2005. Wow putain, on a du lourd. Bon, c'est quoi encore ce bordel? C'est vraiment le GR le plus pourri que j'ai jamais fait, ah, tu m'entends? Dit. Attends, tu m'as bien cassé les couilles, hein. Eh, je me barre, Bon, on va quand même essayer d'analyser cette vidéo, mais je vous jure, ça va être terrible. Déjà, on a la non-réaction du mec de gauche, et là, bim, tout part en live. Mais surtout, qu'est-ce que fait le monsieur de gauche, bon dieu de bordel de merde? Il veut l'écraser avec son pied, il veut qu'il lui suce la bite ou quoi? C'est quoi le projet derrière tout ça? What? T'as un vagin à la place de la bite? C'est quoi ce bordel? Mais remarquez quand même que ce mec joue très bien son rôle. C'est sûr qu'à ce stade-là, il mérite beaucoup l'Oscar du meilleur acteur le plus pourri. Après vous avoir montré deux vidéos complètement mystérieuses, il est temps pour moi de vous présenter le boss final des vidéos mystérieuses. Elle s'appelle Pedette et... merde. Bon, tu prends la photo, espèce d'enculé. Oh, tu te calmes. Ah, mais ça... Mais cette vidéo... elle a tout pour nous faire retourner le cerveau à l'envers. Là d'un côté on a une meuf qui visiblement en a marre de la vie, puis vient l'élément perturbateur ou un autre demande quelque chose et la traite d'enculé. Et après, oh putain, elle se réveille. Et puis, oh, elle savait pas qu'elle... qu'elle... ah oui, c'est elle qui a coupé en pleine phrase. Mais c'est quoi votre délire de couper toujours au mauvais moment? Bref, un discours normal qu'on aurait dans la vie de tous les jours. Hey, t'as mangé des pâtes, du connard? Oui, je suis allé à la Japan Expo, enculé. Quoi? Tu as exploré mon anus aujourd'hui? Et aussi, la description de la vidéo, c'est quelque chose. De pédette qui pédette. Vous avez 4 heures. Vous vous rendez compte que vous venez tout juste d'inventer un mot avec un verbe, les gars? Pédéter, c'est l'art de dire tout et n'importe quoi. Et ces deux meufs, enfin, mais... bordel. C'est pas logique ici. Mais attendez. C'est la réponse à la vie. Un dieu qui rencontre Satan. Oh mon dieu. Complot. Illuminati. Atlantide. Bon, tu prends la photo, espèce d'enculé. Oh, tu te calmes. Bon, tu prends la photo, espèce d'enculé. Oh, tu te calmes. Bon, tu prends la photo, espèce d'enculé. Oh, tu te calmes. Ah, mais ça...